Et yo tout le monde, c'est Recognition31, on se retrouve pour une petite vidéo découverte sur Super Mario Bros. Lumina, qui est un fan game de Super Mario Bros. Et je suis actuellement sur PS5 sur le jeu Dream, c'est pour ça que je peux jouer à Super Mario Bros, vu que c'est un fan game. Il faut savoir que j'ai découvert juste le... que j'ai juste fait le premier level pour l'instant, pour voir si ça marchait bien et tout, et si c'était stylé, et c'est vraiment stylé. Ça rappelle un peu ce sorti sur Wii. Et franchement, c'est stylé. Et pendant que vous, au moment où vous regardez cette vidéo, je serai en vacances. Faut savoir que je connais tous les emplacements de ce premier level vu que je l'ai fait avant de faire la vidéo pour voir si ça allait bien marcher. Aïe aïe aïe. Ok, ça marche exactement pareil que sur Wii. Je fais aussi penser à Super Mario Bros. Wonder. Mais à, juste pour les trucs de fin à récupérer, mais sinon... Sinon les grosses pièces ça rappelle vraiment... Ça rappelle vraiment les jeux, les Super Mario Bros. DS et Wii. Et Wii U. Allez, ça change un peu de FNAF quand même, moi qui adore l'univers de Mario. Vous avez vraiment tout, hein. Les sons et tout, un peu modifié parce que sur Dream, tu peux pas tout mettre non plus. J'attends que l'étoile se finisse parce que sinon... Franchement, c'est vraiment trop stylé. Je sais pas combien il y a de monde, quand... si le créateur a fait plusieurs mondes, on verra bien de toute façon. Et je ne sais pas si je vais faire le jeu à 100%, c'est juste une vidéo découverte pour l'instant. Et si vous voulez que je fasse plus de vidéos découvertes sur des jeux... sur des jeux qui sont sortis sur Dream, qui était gratuit je sais plus pendant quel mois pour les gens qui avaient le PlayStation Plus, c'est pour ça que je l'avais acheté à la base, enfin pris parce qu'il était gratuit. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de créativité dans ce jeu. Dans ce jeu, hein, je parle de Dream, hein, pas de Mario. Dans Dream, il y a plein d'autres jeux, il n'y a pas que du Mario, hein. Il y a du FNAF, des fan game FNAF, il y a plein de trucs. Il y a des jeux d'horreur, il y a des jeux dans les backrooms, il y a plein de trucs. Il y a des jeux Sonic aussi, il y a plein de trucs franchement. Et c'est... parfois c'est bien fait ou parfois c'est mal fait, mais bon... Chacun un peu crée ce qu'il veut, quoi. Il n'y a pas que des jeux, il y a aussi des vitrines, des petits courts-métrages. On ne peut pas y rentrer là-dedans. Bon, ben, j'ai peut-être loupé une étoile du coup. Et c'est même fort probable. Franchement, si on m'avait dit que ce n'était pas un fan game, je l'aurais cru. Ouais, j'ai loupé une étoile, pas grave. De toute façon, je suis pas là pour faire le 100%. Ouais.
Il y a vraiment l'aspect quoi du... Vraiment l'aspect des vrais Mario Bros quoi. Le bruit des plantes piranha quand elles meurent, c'est exactement le même. Ah, j'en ai loupé une, c'est celle de tout à l'heure, donc c'est pas grave. Comme j'ai dit, je suis pas là pour faire à 100%. Hein. Je suis là pour découvrir le jeu et vous faire découvrir le jeu Dream par la même occasion. Et au moment où sort cette vidéo, je crois qu'il y a une autre vidéo qui est sortie sur ma chaîne. C'était une vidéo qui est sortie lundi. Qui est un best-of de mon let's play sur Five Nights at Freddy's Security Breach. Ok, on peut pousser les blocs de glace, mais je sais pas si ça sert à grand chose pour l'instant. Oh. Une warp zone. Ah non. La pièce. La troisième pièce. Bon, il m'en manque toujours la première, bon c'est pas grave. Ah, pourquoi j'ai pas gardé la fleur de feu? Je préfère la fleur de feu. C'est vraiment le même bruit quoi, j'y crois pas. C'est vraiment le bruit signature quoi, les Mario. Ça fait bizarre de jouer à Mario sur PS5 alors que ça n'existe pas normalement. Mais bon, la commune de Rim, il y a plein d'univers différents. Et ça, c'est bien. Je sais pas depuis quand il existe, je sais que c'est un jeu PS4 Dream à la base. Et pourquoi pas faire un fan game de FNAF vu qu'on a plein déjà. Ceux qui voulaient que je fasse un... qui me posaient la question si j'allais développer un jeu. Faire un jeu. Pourquoi pas faire un jeu FNAF là-dessus. Sur ce jeu. Hop, facile le level. Du coup, je pense que les trucs Lumina, c'est ça. Ah, les maisons Toad, non mais genre. Ah, est-ce que c'est le truc avec les petits cadeaux, gros cadeaux. Comme à l'ancienne. Eh oui, on peut changer de personnage. Continuez. Oh putain. Merde. Ah là, ok. Je pense que la maison Toad n'est pas encore développée. Ça peut arriver. Ah si. C'est juste qu'il y avait un bug. Désolé si ça vous a fait bugger. Oh. Champi géant. Oh non, on peut pas sauter sur les Toads. C'est mal fait. Remboursé. Non, c'est gratuit alors. Ok, monde 3. Enfin, niveau 3 du monde 1. On va peut-être changer de perso après, je sais pas, on verra bien. Ah non, c'est le... Je crois que savoir ce que c'est, le genre de level. Ah voilà, les champignons. J'allais dire les champignons. Ah non, j'ai plus mon champignon géant. Je crois que ça sert à... pas à grand chose. Comment il a fait pour avoir les modèles et tout? Je ne sais pas comment ça marche pour avoir des modèles
le personnage. Mario, il est trop stylé. Là, les frères marteau, nickel. Mais putain, mais comment il a fait ça? Je ne sais pas comment développer un jeu sur Dream. Enfin, si, je sais quel bouton faut appuyer, mais sinon... On va essayer de récupérer la pièce étoile. C'est pas grave si on n'y arrive pas. Hop, on a réussi. Ok, bon. Franchement, il y a exactement les mêmes plateformes. Je suis surpris du fangame que le mec a créé. Ah merde! Il y avait le bon souterrain pouvoir un peu nul que j'ai récupéré. Je ne sais pas si ça sauvegarde les pièces, les grosses pièces, comme dans Wonder. Enfin, Wonder, c'est pas des grosses pièces, je sais même plus ce que c'est dans Wonder. C'est pas des pièces violettes. Tu sais, c'est des grosses pièces, mais violettes, je crois. Je sais pas si c'est utile de prendre le truc de bulle, la fleur de bulle, qui est dans Wonder. C'est à l'éplat, c'est pas pour rien, mais bon. Ça, c'est vraiment fou qu'il y ait des musiques, quoi. J'en reviens pas. Il y a même les drapeaux, quoi, les Gen Points. La tête de Bobo. Ouais, je pense que ça sert à rien la fleur de bulle. Merde. On va reprendre une fleur. Nintendo, si vous passez par là, hein, c'est un fan game développé sur Dream. Hein. Je n'y peux rien, c'est pas moi qui a créé le jeu. Ouh, j'ai eu chaud. Bon, je sais très bien que Nintendo n'aime pas trop qu'on fasse des fangames de leur mascotte fer. Merde, je suis tombé. J'espère que ça n'a pas d'importance que je sois tombé. Ça a pas l'air d'avoir de circonstances pour l'instant. C'est fou comment ils ont réussi à faire ça. Ouais. Je sais pas combien de personnes ils étaient pour faire ça. Il n'y a pas le nom du créateur, et ça c'est dommage. Le créateur n'a pas mis son nom. Enfin, à part si à la fin du jeu il a fait des crédits. Mais sinon, il n'a pas mis son nom. Ou le studio, parce que c'est. Il y a aussi des studios qui. Enfin, je sais pas si c'est des gros studios ou c'est.
Ça aussi, me faut... cette animation me fait penser aussi à Mario Odyssey, Super Mario Odyssey. Alors, on va peut-être changer de perso. Alors, on peut jouer Peach, Daisy, Yoshi. Ah. Ouais. Quoi? Non. Ouais. Ah, ça me rappelle vraiment la tour, ça. Bah, ouais, c'est exactement ça, là. Ah ouais, voilà, c'est la première tour du... Si je me souviens bien, les Skull Rex, faut les glacer. Désolé, c'était mon beau-père qui devait me parler. Oh, y'a... Wesh, mais y'a même les trompes. Bon, ils font pas les bruits que Savan adore. Je sais pas si vous connaissez le youtubeur Savan. Mais merde, j'arrive pas. Putain, mais c'est vraiment la musique, quoi. Mais comment il a fait ça, bon sang? Si un jour j'arrive à faire ça, je serais tellement content. Mais merde. Je n'y arrive pas. Je vais rester bloqué pendant 3 heures. Non, j'ai une limite de 59 minutes à chaque fois sur eux. Et j'arrive pas. Comment on fait pour s'agripper aux cages comme dans le jeu? Comment j'ai réussi tout à l'heure? Pas. Peut-être Y, j'en sais rien. Putain, comment j'ai fait ça, moi? Y, peut-être? Ah oui, c'est Y, putain. J'arrive pas à comprendre. Ah, il ricoche pas les balles. Enfin, les boules de feu ne ricochent pas. Plus d'un détail. Ce n'est vraiment pas grave s'il ricoche pas. Oh, je déteste ces plateformes chelou là. Ah, y'a rien. C'est vraiment bizarre. Tant pis, y'a rien ici. Merde, il est bugué. Oh. Non. Allo. Qu'est-ce que tu fais, Mario? Ah, voilà. Bon, on a toujours pas eu de pièce étoile, bon, c'est pas grave. Ça peut arriver. C'est vraiment comme sur Wii, j'adore. Ça me sert pas à grand chose, ça, mais bon, ça me donne une vie supplémentaire, on va dire. Oh, mais putain. Je sais que je me répète, mais... Trop bien fait, Sound Game. Ah non, on en a pas loupé. Nickel. Putain, je croyais vraiment qu'on en avait loupé une. Ah
Ok, on peut devenir petit. Bon, là, on n'est jamais devenu petit, mais bon. Aïe. Non, je suis mort. Ouais, combien on est de rendu d'enregistrement? Oh, 20 minutes, ça va. Merde. Je colle trop les... Et j'adore. Oh no. No, no, no. Mais punaise. Ah, tant qu'à faire, on va aller là-bas. Je sais pas ce qu'on aura comme boss, mais bon. On verra bien. Enfin, comme mini-boss. Ouais, château, c'est pas un château grand, ça. Non, j'ai vraiment pas de chance là. Alors, faut bien un peu de difficulté, c'est pas parce que c'est un fun game qui pas de la difficulté comme elle est. Mais ce que j'aime pas, c'est que il... Ce qu'il a mal codé, mais bon, c'est peut-être pas évident, c'est que Mario s'accroche sur les... sa grippe au bord. On veut faire des sauts murales, mais... Mario, il fait des sauts muraux, du coup, ça lag un peu. Ça lag pas, mais c'est... Ça lag pas, mais c'est juste que Monsieur Mario veut faire un saut mural alors que je ne veux pas, moi. Ah, mais sinon, franchement, il est trop bien réussi. Il y a les musiques et tout. On pourrait croire que c'est un jeu officiel. Bon, je vais pas aller chercher la pièce. On n'est pas là pour faire le 100%, c'est une vidéo découverte. Si on arrive à finir le premier monde, ça serait cool. Ok, on a un Genie Point. Ok, j'ai compris, il y a le bouton P. Alors, c'est quoi le mini-boss? Est-ce que c'est les rhinos? Ou un coup à l'ennemi?
Oh, c'est Bowser Junior. Ok, c'est Bowser Junior du coup. Franchement, c'est stylé. Oh non, dis-moi pas qu'ils s'inspiraient de Wonder ou c'est que Bowser Junior qui nous attaque. Non, je crois qu'il s'est inspiré de Wonder, mais c'est pas grave. Le seul défaut que je reproche à Wonder, c'était ça. Ah, il nous a pas fait le bloc caché. Peut-être que je suis mauvaise langue et qu'il dit, mais... Bon, pas grave. On va y aller au talent. Faut lui sauter dessus. Incroyable. Il a trop bien réussi le jeu, franchement. Allez, là on peut changer, on va changer de perso. On va prendre... Toad jaune. C'est trop mignon. C'est trop bien fait. Même les Toads, ils sont bien faits. J'y crois pas. Oula, monde 5. Oh non. Il a réussi à faire un monde aquatique. Même les chip-chips sont bien faits, mec. Comment il a fait ça, franchement? Bon, il faut savoir que les niveaux aquatiques, je n'aime pas du tout. Comme la plupart des gens qui jouent à Mario. Allez, allez. Comment il est rentré dans le tuyau, lui, il a fait une guédipette. Ah bah. Même ses ennemis sont bien faits. Normalement, eux, ils sont censés descendre, mais bon. Tant mieux qu'ils descendent pas. Pour l'instant, c'est le level aquatique que j'ai vu. Le plus facile que j'ai jamais vu. Il a chopé la fleur de feu. C'est l'un des plus faciles, le level aquatique. Franchement, l'effet de l'eau sur Dream. Ah merde! Putain, mais je m'y attendais pas du tout. Je croyais qu'il y avait un passage secret.
Après, c'est peut-être pas facile d'implémenter un passage secret, j'en sais rien. Putain, je me demande jusqu'où il est allé, le mec. Est-ce qu'il a fait un jeu complet ou il s'est arrêté en cours de route? Ça avait pas l'air de peut-être marquer démo ou quoi que ce soit. Bon, pas besoin d'aller choper les... Pas besoin d'aller choper les épaules que j'ai déjà prises, ça sauvegarde. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas que dans les jeux officiels que ça sauvegarde les pièces que tu ramasses. Et ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'on peut désactiver cette fonctionnalité. On n'est pas obligé de la garder. Bon, c'est bizarre, j'ai pas eu de drapeau. Et dans le level aquatique, il manque quelqu'un, un gros poisson violet qui essaie de nous manger. Ah oh! Oh, j'étais pas loin du point de contrôle. Je sais pas combien de temps ça lui a pris pour faire ce jeu. Enfin, c'est fan game, mais bon, c'est incroyable. Ah là là. Et franchement, si vous aimez ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Si vous découvrez ma chaîne et que mon contenu vous plaît. The winner. Ah, j'en ai loupé une. Ok, on s'approche du château de Bobo. Le bon le salut. Le fameux Bowser, évidemment. Oula. Monde... Enfin, niveau 6 du monde 1. Pouf. Ah, j'ai jamais cru. Si, j'ai déjà entendu aussi cette musique. Oh, Tanuki. Ça, c'est la musique dans Mario Kart. Avec les Wiggles, les Wigglers. Merde. Oh mais oui, on peut voler avec ça. Avec Mario Tanuki, on peut voler. Pas grave. Yeah.
Le seul truc que j'aime pas dans ce jeu, c'est ça. C'est qu'il s'accroche un peu... Il veut faire des sauts muraux, le perso. Mais sinon, le jeu est vraiment cool, comme je dis. Alors là, je ne sais pas comment on y va là. Non, on n'y va pas comme ça. Tant pis pour la pièce. Combien de temps? 37 minutes. Mais c'est nickel. Franchement, Ouf, j'ai eu peur. Bon, j'en ai eu qu'une pièce, mais c'est pas grave. I'm the winner. Allez, plus qu'un avant le château. Oh. Et c'est vraiment vrai qu'il a fait plein de monde, plein de levels, enfin plein de monde. Peut-être que je ferai une autre vidéo dessus. Peut-être que je ferai tout le jeu. Oh non, pas les taupes. Ils sont chiants que ces taupes. Je voudrais pas les voir dans le jeu. Yeah.
Ah ah! Je me doutais bien qu'il y avait un truc là. Allez, un château. Qui on va retrouver? Bowser Junior ou un Koopa Lings? Ouf. Ça se voit que c'est un château. Hein. Putain, l'ambiance. Ça me dit que j'ai une fleur de feu. Ok. Fleur de glace. Je vais garder le Tamiki. Pour la pièce hein. Là tu vois j'aimerais bien avoir un peu de coup. En vrai on peut peut-être avoir un Bowser. Je ne sais pas. Combien de temps là? 43 minutes. Je pense que si j'arrête de mourir, ça devrait aller. Il y a un point de contrôle sur ça. Là j'ai bien avancé alors. Ah yes, un point de contrôle.
Là on s'en fiche des pièces hein. Direct. On s'en fiche des pièces, c'est pas grave. Sauf que si je dois regarder le truc, si j'en ai besoin pour Non putain j'ai eu chaud. On peut prendre Oh tant pis pour la pièce hein. Bon, je suis impressionné du talent du mec pour ce jeu. Et franchement, c'est pas mal, hein. Merde. Mince. Comme idée de boss, c'est pas mal, hein. Bah en fait il me fait penser à la carapace bleue dans le film Super Mario Bros. Sauf la carapace bleue de Bowser. Bon il fait tomber des Koopas. Non, les Koopas sont bugués. Putain, les Koopas ils sont bugués. Ça peut arriver. Ah, je me demandais que si je perds maintenant. Si je perds toutes mes vies là-dessus. Bah, d'accord. On va rembobiner, désolé, hein, mais...
Ok, je pense que dans, comme tous les boss, on peut l'avoir avec une fleur de feu. Mais non, putain. Faut juste que je récupère pas une autre fleur de glace. Punaise. On va rembobiner. Ouais, faut juste que je pose la fleur de glace et c'est bon. Je pense que dans, comme tous les boss de Mario, voilà, je vais un gay avec une fleur de feu. Yeah!
Ah, j'ai plus le temps. J'ai bientôt plus avoir le temps de... Ma vidéo va se couper. Non, si je continue de mourir comme ça, je vais pas avoir le temps de faire le boss. Parce que ma vidéo va pas tarder à se finir. C'est sûr parce que sur PS5, on a une limite de temps. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Désolé si j'ai pas fini le château. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Il reste plus que 57 minutes avant que... Il reste plus que quelques minutes avant que la vidéo se coupe. Bon, sur ce, j'espère quand même que cette petite vidéo sur ce fan game de Super Mario Bros vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et je vous dis à la prochaine. Salut. Et normalement, je ferai peut-être une suite sur ce jeu. Allez, salut.